centre de basket et l'association sportive qui va organiser la compétition de basketball pour les Gay Games. On a quatre catégories répertoriées qui sont Open A, Open B et Open C et plus 35. Ça va être mes deuxièmes Gay Games. J'ai fait ceux de Cologne 2010. C'est mes premiers Gay Games. Pour moi, c'est l'opportunité voilà, de participer à un événement où je pourrais peut-être jouer au basket en étant qui je suis, avec mon historique, sans avoir peur de manque de respect. J'ai commencé le basket avec les garçons, puisque je suis né garçon. Et ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que j'ai rejoint les filles, puisque c'est là que j'ai commencé à m'affirmer en tant que femme. Pour la compétition de basketball, il y a énormément de Français. Et on a les États-Unis, la Chine, aussi des pays européens. On n'a pas l'occasion de rencontrer toutes ces équipes qui viennent d'aussi loin. C'est vraiment lors des Gay Games qu'on peut les retrouver. Les Gay Games, c'est un gros événement qui se prépare. Ça va être formidable. Je pense qu'il faut s'inscrire aux Gay Games parce que c'est une vitrine pour le respect. C'est aussi la visibilité de Paris et de la France à travers le monde. Donc montrer que Paris peut aussi être ouvert aux communautés LGBT. Venez partager avec nous cet événement sportif et culturel. Venez aux Gay Games.